Salut les loulous, on se retrouve pour parler de tout ça, hein? Parce que voilà, vous avez bien vu, ça a changé quand même le décor là, non? Ça a un peu, beaucoup, énormément changé le décor. Alors, du coup, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que pendant tout le long de cette vidéo, je vais vous parler de choses importantes pour cette chaîne YouTube, importantes pour moi. Et puis, je vais vous révéler un truc à la fin de cette vidéo qui est très important pour moi et pour tout simplement Lubna et cette chaîne YouTube. Du coup, restez jusqu'à la fin pour avoir le petit truc de la fin, quoi. Voilà. Alors, du coup, je vais vous expliquer un peu tout ça. Voilà. Go expliquer. Harley Quinn. Ça, c'est le petit dessin de ma chérie Harley Quinn. Ça. C'est la photo qu'on appelle ombre. C'est la plus belle photo de tout ce qu'on appelle. Là, c'est couronne. Avec, si vous voulez savoir tout ce qu'il y a avec couronne, allez voir la vidéo de couronne, tout simplement. Je pense qu'elle s'appelle Anecdote couronne, un truc du genre. Ça, c'est plein de vidéos qu'on adore. Celle-là, je suis deg de l'avoir mis là, en fait, parce que tout simplement. Et c'est l'une des photos que je préfère, et du coup je l'ai mis là, et du coup quand je fais mes vidéos, je suis comme ça. Et du coup on la voit pas. Du coup je suis là. Voilà. Ça là-bas, c'est les dessins que j'ai fait avec le loop. Il y a le logo TikTok, YouTube, Messenger, Instagram, parce que c'est le réseau qu'on a. Elle aurait peut-être dû marquer nos noms TikTok et tout en dessous, mais elle l'a pas fait. Du coup voilà. Là, il y a une de mes photos préférées. Ça, c'est Naruto. Je l'ai pas trop bien fait. Je sais pas si on voit bien à la cam, mais je l'ai pas trop bien fait. Mais voilà, je kiffe. Ça, c'est Vraise. Alors pourquoi Vraise? Parce que Vraise, c'était mon personnage préféré sur Apex Legends avant qu'ils le modifient. Ils ont fait des mises à jour et ils ont modifié Vraise. Et du coup, c'est plus mon personnage préféré. Ça, c'est un Goomba parce que je kiffe Mario et je kiffe sauter sur la tête des Goombas. La petite cerise en référence au maillot qu'elle m'a offert. Ça, c'est tout plein de dessins et de photos que je kiffe. Ça, c'est ma photo préférée de Louloub. Ça, c'est des fichas. Piercing. Parce que faut savoir que de base, j'avais un piercing. J'ai fait un piercing et je l'ai gardé à peu près 6 mois ou 8 mois, un truc du genre. Et puis voilà, ça c'est fini parce que le piercing en gros, vous voyez, je pense, j'ai eu des géluiodes, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, le piercing, ça me va pas. Ça, ma deuxième photo préférée, ma troisième photo préférée de Loblin, je me trouve trop frais sur cette photo-là. Ça, quand même, je vous ai dit, ce piercing. Là, je sais pas si vous voyez, il y a Mario et Mickey. Ça, c'est. C'est le film ou Lifeline, ça dépend si vous le dites avec le ton français ou anglais. Alors pourquoi Lifeline? Lifeline, parce que c'est mon deuxième personnage préféré. Enfin, mon tout premier personnage préféré c'est Octane, après c'est Vraise, après c'est Lifeline. Mais je prends beaucoup Lifeline depuis qu'elle a eu son nouveau boost. Enfin, quand je joue à Apex, parce que j'y joue plus en ce moment. Le génie d'Aladin, parce que je kiffe Aladin. Kirby, parce que c'est mes jeux préférés. Ça, c'est une lettre d'amour que ma chérie m'a fait. Je sais pas si vous pouvez la lire, mais je ne pense pas. Et du coup, c'est une lettre d'amour que ma chérie m'a fait. Trop mignonne. Je vais prendre la caméra, comme ça vous allez mieux voir. Regardez. C'est une lettre d'amour, en fait, que Louloub m'a fait. Ça, c'est Harley Quinn, comme je vous ai dit. Là, il y a les photos que je vous ai parlé. Ça, c'est ma chérie qui a marqué en plusieurs langues différentes, mon doudou et ma crevette, trop mignon. Lisa, parce que je trouve que je l'ai trop bien fait et je surkiffe les Simpsons. Un petit cœur avec écrit je t'aime parce que c'est hyper mignon. Et comme je vous ai dit là, c'est toutes les photos. Mario, Mickey, comme je vous ai dit, le film. Ça, c'est la lettre. Je sais pas si vous pouvez lire comme ça la lettre. Je sais pas si vous pouvez lire, mais voilà. Du coup là-bas il y a Topicker, je sais pas si vous le voyez, Topicker. Alors pourquoi Topicker? Tout simplement parce que je kiffe Pokémon et du coup j'ai mis plein de Pokémon. Enfin j'en ai mis un mais j'ai fait plein de Pokémon.
Et Topicker, je trouvais que c'était celui que j'avais le mieux fait. Du coup, bah, j'ai mis Topicker. Ça, c'est mon dessin préféré de Lubna. Du coup, je l'ai mis. Il est trop, trop beau. C'est le dessin qu'elle a mieux fait. Donc, vous voyez pas de loin les imperfections, mais il y en a plein. Hein. Du coup, bah, peut-être que je vais changer mon setup, je sais pas quand, mais dites-moi si c'est ce que vous préférez. Du coup, c'est cette photo-là que je surkiffe et qu'on voit pas. Parce que je vais devant tout le temps. Du coup, bah, ça, c'est la photo préférée de Loloub. Ça, c'est l'une de nos photos préférées. Ça, c'est l'une de mes photos préférées. Voilà, hein, il y a plein de photos. Ça, c'est rapport à un TikTok qu'on a fait. D'ailleurs, ça, c'est aussi rapport à un TikTok qu'on a fait. Il y a plein de photos qui sont faites par rapport à des TikTok. Mais voilà. Du coup, bah, en fait, setup, à chaque fois que vous me verrez, maintenant, vous me verrez avec tout ça derrière, avec ce setup-là. Parce que je trouvais ça trop mignon, en fait, tout simplement. Vu qu'on est une chaîne d'amour, de love, d'un couple, mettre tout simplement en fait le setup avec toutes nos références. Tout simplement. En fait, regarde. Toutes ces photos, c'est des photos qui ont formé ce qu'on est en ce moment, moi et elle. Je voulais accrocher le billet aussi de train. Je vais le faire bientôt. Mais il faut que le setup évolue avec le temps, du coup, bah, je sais pas quand je vais le faire, mais je vais accrocher le billet. Et vu que je vais peut-être déménager bientôt, dans 1 ou 2 semaines ou 1 mois, bah, je vais être obligé de tout enlever. Alors, du coup, bah, mon setup sera dans la prochaine maison où je vais habiter. Donc voilà. Et puis, alors, la grande nouvelle que je voulais vous annoncer à la fin de la vidéo, c'est un concours, non? Enfin, ça fait partie de la nouvelle, mais en gros, la grosse, grosse nouvelle. C'est que j'ai fait un pari avec l'OMDA, avec l'OMNA, et en gros, si on atteint les 2500 abonnés avant son anniversaire, ça veut dire en février le 19, et bah tout simplement, je dois y offrir un week-end à la plage, avec l'hôtel et tout, à la plage. Du coup, bah, tout simplement, pour atteindre ce nombre d'abonnés, pour pas que tu t'abonnes pour rien, j'ai décidé de te faire un petit cadeau. Tous ceux qui vont s'abonner à cette chaîne YouTube maintenant tout de suite et qui vont commenter dans les commentaires soit leur vidéo YouTube ou leur TikTok, bah, je ferai une vidéo spéciale YouTube. Je ferai une vidéo spécialement sur YouTube pour faire des pubs à tous les commentaires qu'il va avoir sur cette vidéo. Tous ceux qui veulent une pub, mettez vos commentaires sur cette vidéo, je vais vous faire une pub. Par contre, si tu te désabonnes après, eh ben, tu vois, la pub, ben, je vais republier la vidéo en enlevant ton passage de pub. Si tu t'abonnes, tu restes abonné, tu vois, tu te désabonnes pas après. Je veux des abonnés actifs, pas des abonnés inactifs, tu vois. Du coup, ben voilà, abonne-toi ou mets ton TikTok ou ta chaîne YouTube en commentaire et je te ferai une pub dans la prochaine vidéo. Enfin, peut-être pas dans la prochaine, mais quand il y aura assez de commentaires, je ferai une vidéo spécialement où je fais des pubs, où je vais regarder vos vidéos et je commente votre chaîne YouTube et ce que j'en pense, et puis voilà, ou votre TikTok. Et je vous ferai des pubs peut-être aussi sur TikTok. Si tu t'abonnes, tu likes et tu commentes, bah, je te ferai une pub sur TikTok et Insta aussi si tu veux, et puis voilà.